La bugloze d'Italie ou bugloze azurée, Anchusa italica. La bugloze azurée ou encore bugloze d'Italie appartient au genre Anchusa et fait partie de la famille des Boraginacées, tout comme la bourrache, le myosotis ou encore la consoude. On peut la croiser du sud au centre de l'Europe, en Afrique et en Asie occidentale. Elle est présente presque sur tout notre territoire français, où elle pousse dans les endroits secs et ensoleillés, souvent caillouteux et calcaires, à une altitude comprise entre 0 à 1500 mètres. Les fleurs sont en cime de couleur rougeâtre à violette, ou plus couramment encore, bleu d'un bleu profond. La floraison a lieu de mai à septembre. Cette plante ne craint ni la sécheresse ni le froid, une fois bien installée. Elle est d'une vitalité remarquable et sa croissance est très rapide. Elle peut atteindre les 80 cm de hauteur à l'état sauvage. Cette plante a disparu des deux départements de la Savoie, malheureusement. Toutes les parties de la plante sont velues, hérissées de soies raides, comme on le voit très bien ici, ou de poils. Elle est en partie comestible. Les fleurs sont utilisées dans les salades en mélange. Les jeunes pousses sont consommées comme légumes ou crues dans les salades. Les feuilles, quant à elles, sont consommées bouillies ou frites. Voilà les amis, pour la bugloze azurée ou bugloze d'Italie. Je vous souhaite de belles promenades en attendant et découvertes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.